Hi Mina, c'est Kyo-chan. Et bien voilà, je vous retrouve donc pour une réupload d'un de mes let's play. Comme vous le voyez, comme vous avez pu le constater depuis le début, c'est FF1 que j'ai décidé de vous refaire. Pourquoi? Parce que, simplement parce que c'est mon tout premier let's play sur ma chaîne, une chaîne qui a maintenant quelques années. Et évidemment, je n'avais pas le matériel que j'ai maintenant. Pour faire un bon let's play et de bonne qualité, donc j'avais pas un micro correct, j'avais un micro casque de merde, disons-le clairement, hein. Voilà. Donc j'ai décidé de vous refaire ça correctement avec aussi un meilleur montage, donc il y aura de nouvelles choses, il y aura des miniatures, il y aura des trucs sur ma chaîne et tout, enfin sur mon let's play, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. En fait j'étais surtout en train de rejouer au jeu et je me suis dit quitte à y rejouer, autant refaire un let's play correct et bien propre et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en penserez. Surtout que je tâcherai de faire des vidéos sûrement plus courtes et mieux travaillées, comme ça, ce sera plus agréable. Donc, je vais sûrement reprendre... attendez, je suis pas sûre. Je crois que je vais garder cette équipe-là, avec le voleur à la place du moine, parce qu'il me semble que j'avais un moine dans mon premier let's play. Mais je vais garder mon mage blanc et mon mage noir, et mon guerrier, donc voilà. Donc, au niveau des noms, je suis toujours aussi peu inspirée que la dernière fois. Je crois qu'il s'appelait déjà Léo dans mon ancien let's play. Derek, allez Derek, ça marche. Non, c'est bon. Toi, ouais. Oh non, pas ouais, je... Saris, Danil... Buck. Toi, par contre, tu garderas le même nom que la dernière fois, parce que les autres noms, c'est des noms féminins, donc ça m'intéresse pas. Toi, pour moi, t'es un mec. J'ai déjà expliqué pourquoi dans mon premier let's play, donc je vais réexpliquer, hein. Ouais, Egil. En fait, c'est parce que donc, quand on voit les noms proposés pour le mage blanc, apparemment, c'est beaucoup une fille pour certains. Moi, en fait, la première fois que j'ai joué au FF1, je les ai tous vus comme des garçons, le mage blanc compris. Donc, dans ma tête, le mage blanc reste un mec, donc je l'appelle Noah. Voilà. Donc, ce sera mon équipe avec un voleur à la place du moine de la dernière fois. Et on y va. Le monde est plongé dans les ténèbres. Le vent s'essouffle.
La mer s'épuise. La terre se meurt. Pourtant, les hommes sont convaincus qu'une prophétie est sur le point de s'accomplir. Devant les ténèbres, quatre grès de lumière se dresseront. Après un long périple, quatre jeunes aventuriers viennent justement d'arriver, tenant chacun un cristal dans la main. Quatre cristaux élémentaires, vous l'avez compris. Alors, je tiens à dire aussi une chose, c'est que je vais profiter de ma meilleure reconnaissance du monde et tout ça, pour vous skipper beaucoup de choses. Par exemple, je vous skipperai les combats aléatoires, comme ça, moi, je pourrais faire du farm de mon côté et vous laisser tranquille au niveau des combats. Je vous laisserai bien sûr les combats obligatoires, hein, ça, évidemment, je vous les laisserai. Mais tout ce qui est combat aléatoire et farm, je m'en occuperai de mon côté. Voilà. Donc, nous sommes largués sur la map complètement et tout ça. Et nous sommes devant un petit village dans lequel nous allons entrer prochainement. Et grâce à la magie du montage, vous n'avez rien vu, mais je suis déjà montée level 2 avec mon équipe, sauf que mon guerrier commence déjà à être assez mal, donc je vais aller vite en ville pour me soigner. Alors, on va commencer par aller à l'auberge pour pouvoir se reposer et récupérer de la mana. Enfin, de la mana, de la vie surtout. La mana, on n'en a pas encore, enfin, du moins, on n'a pas encore les sorts qui vont avec. Parce que dans ce jeu, tout s'achète, aussi bien les armes et les équipements que la magie. Tout s'achète, donc ça va coûter cher au bout d'un moment. Alors, vous avez peut-être vu, donc d'un côté il y a les lits, de l'autre côté il y a ces quatre personnages qui sont en fait le tuto du jeu. Donc si vous avez des questions, vous leur posez à eux. Alors vous l'avez constaté, il y a un soldat qui me bloque le chemin pour pouvoir justement lancer le scénario. Donc, vous êtes ici à Cornelia, la cité des rêves, c'est une lit. C'est une danseuse, on s'en fiche. Alors, je vais commencer par aller au magasin. On va prendre déjà un sabre pour ces deux-là. Je vais prendre le marteau pour mon mage et le bâton pour le mage noir. Ok. Ensuite, tac. Code de maille pour toi. Sachez que techniquement, même sans entraînement, comme j'en ai fait un petit peu, vous avez largement assez d'argent pour acheter absolument tout ce qui est nécessaire. Je vais prendre brasier, évidemment. Je vais prendre foudre également. Ah, pas pour toi. Heureusement, il ne peut pas le prendre, donc voilà. Je vais prendre morphée. Ça pourra toujours me servir. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a 4 sorts, mais il n'y a que 3 emplacements, donc il faut faire des choix. Je vais prendre soin. L'humaine, ça touche les morts-vivants, donc c'est utile. Et je vais prendre garde. Voilà, ça c'est fait. Et je vais peut-être aussi aller... Je vous en prie, sauvez notre princesse. Ah, d'accord. Le prophète nous a parlé d'un croissant de lune avant de quitter la ville. D'accord. Le roi croit vraiment à la prophétie de Lucan. Selon elle, les guerriers de la lumière vont venir sauver la princesse. D'accord. Sauve Dame Sarah, s'il te plaît. D'accord. Autrefois, je vivais loin, à l'est d'ici, dans la cité portuaire de Pravoka. Il paraît que ce n'est plus qu'un repère de pirates depuis quelques temps. Ça, ce sera pour plus tard. Alors, je vais acheter quelques potions quand même. On va en acheter... Ah ben, je peux en acheter que 4. Bon, on va en acheter 4, hein. Tant pis. Voilà. J'ai plus de sous. Donc, bah maintenant, on va parler aux gardes. Le roi recherche désespérément les guerriers de la lumière dont parle la légende. Mais, c'est Christo. Allez vite voir le roi. Ok. Bienvenue, voyageur. On me dit que vous portez des cristaux, est-ce exact? Oui! Le prophétie de Lucan, c'est donc vrai. Devant les ténèbres, quatre guerriers de lumière se dresseront. Évidemment, nous sommes des guerriers muets. Hein. Dans ce premier Final Fantasy, nos héros ne parlent pas. Majesté, nous pouvons être sûrs que ces guerriers sont bien ceux de la prophétie. Ils se sont présentés à nous avec les cristaux. Je trouve qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Porteur des cristaux, j'ai une tâche à vous confier. J'ai besoin que vous alliez sauver ma fille, Sarah.
Garland, un ancien chevalier de Sa Majesté, a enlevé la princesse Sarah. Je vous implore de nous aider au nom du royaume de Cornelia. Garland s'est réfugié dans le temple du Chaos, au nord de ce château. Nous avons bien tenté de secourir la princesse nous-mêmes, mais Garland est un combattant valeureux. Personne jusqu'à présent n'a réussi à lui tenir tête. J'ai appris que vous souhaitiez poursuivre votre voyage en direction du nord. Le pont qui conduit vers les terres du nord s'est effondré il y a bien longtemps. Si vous me ramenez Sarah, je vous promets de le faire reconstruire en gage de ma gratitude. Allez maintenant, guerrier de la lumière, et revenez victorieux. Ça s'appelle du chantage, c'est techniquement, non? Mais bon, peu importe. Alors, parlons à tout le monde, c'est eux quand même qui nous disent quoi faire. Le roi, tu nous l'as dit, oui. Toi, tu me parles de Sarah, donc ça va. Il fut une époque où Garland était le plus grand chevalier du royaume. Mais il s'est lentement fait ronger par le pouvoir, jusqu'à oublier qui il était vraiment. Ah ouais, carrément. Donc évidemment, dans ce genre de Final Fantasy, comme c'est le tout premier, vous êtes un petit peu largué complètement dans l'aventure, donc démerdez-vous. Ma sœur, rendez-moi ma sœur. C'est la petite princesse, ah, d'accord. Je savais même pas qu'il y avait une deuxième princesse, pour vous dire que je parlais pas beaucoup aux PNJ à l'époque. Mais voilà, comme je disais, vu que c'est un jeu de l'époque, c'est un tout premier, vous êtes largué, donc démerdez-vous, et pour ça, il faut parler aux PNJ. Nos ancêtres ont enfermé dans des armes dans ces salles il y a 400 ans. Ils ont donc confié la clé au roi des elfes afin qu'il la conserve jusqu'à la venue des guerriers de la lumière. Voilà, en effet, si vous venez examiner les portes, voilà, clé mystique, c'est fermé. Et donc nous avons appris que ce sont les elfes qui possèdent la clé. Donc il faudra revenir plus tard. Encore une fois, grâce à la magie du montage, vous n'avez rien vu, mais je suis passée level 5 avec tous mes persos. En même temps, pour l'instant, vu que personne n'est mort, ils évoluent tous en même temps. Donc dès qu'il y en a un qui prend un level, bah, ils prennent tous en même temps. Et maintenant, nous allons pouvoir nous rendre au temple du chaos pour sauver la princesse Sarah. Donc c'est parti. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous skipperai les combats. Voilà, nous sommes donc au temple du chaos. Comme promis, je vous ai skippé tous les combats, hein, comme ça vous êtes tranquille, hein, vous profitez juste de l'épopée et sans souci. On est parti. Première chose à faire, c'est visiter la zone. Hein. Il y a deux pièces qu'on peut ouvrir, les deux autres sont fermées par la fameuse clé mystique, à savoir les deux qui sont à l'est. Donc les deux qui sont à l'ouest, on peut les ouvrir. Voilà, les deux portes de droite, de gauche, étant ouvertes, je peux désormais me rendre à l'intérieur. Est-ce que j'ai équipé mes armes? Pas du tout. Voilà. Ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais soigner un petit peu mon guerrier et mon voleur au passage. Les autres, ça peut aller. Donc voilà. Et voici donc Garland et la princesse Sarah. Le roi n'a pas le choix. S'il veut revoir sa fille, il doit me donner son royaume. Ha 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 ha! Qui va là? Pff, les envoyés du roi. Savez-vous seulement à qui vous avez affaire? Vous pensez être de taille face à moi, Garland? Très bien. C'est donc avec plaisir que je vais vous écraser. Allez hop! Même pas peur! Ah bah quand même, c'est mon mage blanc qui l'a buté quoi! C'est mon mage blanc qui l'a achevé! La honte! La honte!
êtes venue me sauver. Jamais je ne pourrai vous remercier suffisamment. Je suis Sarah, la princesse de Cornelia. Personne n'avait réussi à vaincre Garland jusqu'à présent. Permettez-moi de vous témoigner ma gratitude. Accompagnez-moi donc jusqu'au château de Cornelia. Oui! Merci d'avoir ramené ma fille à mes côtés. Vous êtes les guerriers de la prophétie de Lucan, cela ne fait plus aucun doute. Écoutez donc la prophétie dans sa totalité. Devant les ténèbres, quatre guerriers de lumière se dresseront. S'ils ne restaurent pas l'éclat des cristaux, les ténèbres emporteront tout. De leur réussite dépendra le salut du monde entier. J'ai appris qu'un de ces cristaux est caché sur le continent du Nord. Je vous en conjure, ravivez l'éclat des cristaux. C'est la seule façon de débarrasser le monde des monstres qui le gangrènent. Comme promis, je vais faire reconstruire le pont au Nord. Je prierai pour que vous réussissiez à restaurer l'éclat des cristaux. Bonne chance, guerrier de la lumière. Ok. Ah, la musique de victoire. Alors avant de partir, on parle à Sarah. Les princesses de Cornelia gardent ce lieu depuis des générations. Quand Garland m'a enlevé, il a pris ce lieu pour la même occasion. Aujourd'hui, j'aimerais vous le confier. Considérez-le comme ma modeste contribution à votre voyage. Et voilà, cadeau! Alors, je vais sortir du château et m'arrêter là pour ce premier épisode. Avec toutes les coupures, j'ignore le temps qu'il prendra. Mais techniquement, il ne devrait pas être très très long. Mais ce sera normalement le but de mon réupload. Ce sera de faire des vidéos plus courtes et plus agréables pour vous aussi. Alors, je sors du château, mais il y a une cinématique qui se lance et on s'arrêtera après sa cinématique. Sa Majesté nous ordonne de remplir notre rôle pour que la prophétie de Lucan s'accomplisse. Allez les mecs! Ça fait 20 ans que ce pont est écroulé, mais maintenant que les guerriers sont là, on le reconstruit! Et fit ça! Pardon, je rappelle que le roi a dit que le pont s'est écroulé il y a longtemps, donc c'est maintenant qu'on apparaît que le pont est reconstruit, quoi. Sinon, dans de ça, Cornelia est complètement détachée du reste du monde, hein, sans ce pont. Enfin, à part si vous avez un bateau. Quel rapport ce pont peut-il avoir avec la prophétie? Bah, peu importe. Les quatre guerriers de la lumière sont arrivés. Ils sont ici, à Cornelia. Oui. Voilà, donc je sors. Et je vais donc m'arrêter là pour ce premier épisode qui sera, je sais, un peu court, même s'il y a la cinématique d'intro et tout. Mais il sera un peu court, mais ce sera le nouveau format des vidéos. Dites-moi si ça vous plaît ou si vraiment vous voulez que je repasse des vidéos plus longues. Mais je pense que le but sera quand même d'avoir des vidéos justement plus courtes. Voilà. Alors là-dessus, je vous laisse là, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi je vous dis, ciao tout le monde !